Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons parler de 3D environnement sous Unreal Engine, où on va donc regarder des concepts de base, de composition, des concepts que l'on retrouve aussi dans la composition d'images, bien entendu, hein, qu'on va pouvoir appliquer au 3D environnement, puisque on va avoir donc la nécessité d'étudier le point de vue ou plusieurs points de vue d'un joueur arrivant donc dans cet environnement ou d'une caméra qui enregistre cet environnement avec le caméra séquenceur notamment dans Unreal Engine. Donc on va travailler bien entendu sur le point de vue, on va travailler sur la composition des formes, des couleurs et de la lumière qui va sculpter bien entendu les formes, pour nous donner donc une impression, pour focaliser notre regard sur certains éléments, et on va donc travailler bien entendu de manière générale la composition donc de l'image et de l'environnement qui va être donc filmé par la caméra vue par le joueur ou le spectateur. Ici, on va prendre donc un exemple simple donc de ruines d'un château, d'un bâtiment que l'on voit en arrière-plan, avec un premier plan donc d'un parvis menant donc à ces éléments-là donc de reste de château qui est en arrière-plan. Et plus encore en arrière-plan, donc on va trouver l'apparition donc de visuels rocheux pour nous montrer qu'on est sous terre, donc enfermé donc sous terre, et avec donc en opposition à cette fermeture par le haut donc des blocs rocheux que l'on voit apparaître, une ouverture bleutée vers le bas qui nous donne l'impression donc d'une crevasse sur lequel au fond pourrait passer donc un cours d'eau et qui donnerait un côté illuminé ou surilluminé hein, bien entendu ici qui s'opposerait donc bien entendu comme lumière froide en opposition donc aux lumières plutôt chaudes venant donc principalement d'un puits de lumière qu'on peut imaginer étant donc en haut à droite et venant frapper donc les restes du château, notamment les arches que l'on voit donc au centre et qui attirent le regard. Donc on va regarder cette composition-là. Donc quand on réalise un environnement 3D, on part de croquis, de dessins que l'on va utiliser, que l'on pourra mettre en arrière-plan dans Unreal, tout ça pour réaliser donc la première phase dite de blockout. Donc cette phase va nous permettre de mettre les formes principalement en place qui vont définir notre environnement. Donc ici on a mis en place donc les différents éléments. Alors on n'a pas on va utiliser le mode lit/unlit hein, aussi pour venir donc mettre en place les formes sans s'intéresser véritablement à la lumière. Ici j'ai mis en place donc un cube aplati pour faire le fond rocheux en fait pour ce penser que l'on est donc en sous-sol, sous la terre, et puis on a les différents éléments donc que l'on met en place, le parvis à l'avant, la notion déjà, on essaie de voir la notion donc de profondeur bien entendu, hein, en disposant les différents éléments. Par exemple, ici la distance par rapport donc entre le parvis et les ruines, avec l'arche ici qui s'ouvre, quelle est cette distance de la crevasse ici que l'on va voir, comment on va pouvoir travailler donc cet effet-là, en mettant en place donc les différents éléments de premier plan, de plan intermédiaire qui sont constitués par les ruines du château et de l'arrière-plan que l'on voit ici en partie plus sombre, qui vont constituer donc véritablement l'arrière-plan de blocs rocheux dans lesquels seront incrustés des restes du château éventuellement avec des parties effondrées. Ici qui sera donc totalement en arrière-plan. Donc on va construire ça, on va donner des colorations différentes donc au cube, aux différentes primitives que l'on met en place. Ici on a représenté par des cubes bleus aplatis donc la crevasse qui sépare donc la première partie, le parvis ici et le
le passage donc vers l'arche par des éléments bleus ici qui vont nous donner donc une impression ici différente donc avec les autres éléments. Et donc on pourra mettre en place un point de vue ou plusieurs points de vue pour déjà déterminer donc le dispositif donc des formes. Ici on pourra donc si on a un point de vue, on va imaginer donc d'un joueur qui arrive sur le parvis et qui voit donc ce décor détruit ici. Ok, on va un peu l'agrandir le parvis pour venir se positionner justement ici. Voilà. Ok, et donc on peut imaginer avoir donc un point de vue de ce type-là et donc positionner une caméra ici. Donc on peut donc venir. On a la possibilité ici de créer des bookmarks, ça c'est assez intéressant. Cette bookmark, on peut créer un bookmark 1 ici par exemple. Et donc on pourra toujours y revenir dessus. Donc jump to bookmark. Voilà. Donc un autre point de vue éventuellement qui peut être intéressant. Jump to bookmark 1 ici. Et donc revoir en permanence pendant qu'on est en train de réaliser et le blockout et ensuite les différentes phases de la réalisation de cet environnement 3D, de revenir sur les points de vue que l'on sait donc importants et qui vont déterminer donc la mise en œuvre des formes et la composition donc de l'ensemble. Donc voilà pour les caméras. Alors on peut créer aussi une caméra en faisant donc Create Camera here, Camera Actor ou Ciné Camera Actor, hein, les deux types ici où on a les VR bien sûr, Camera Actor, ce qui mettra une caméra donc au point de vue que l'on a donc actuellement sur le viewport 2. Ok. Ensuite on pourra donc dans un deuxième temps faire un pré-light qui nous permettra donc déjà d'avoir une idée de éventuellement ce que l'on veut donc en termes d'éclairage. Donc par exemple on va commencer à mettre en place les lumières. Donc alors ici on a choisi des lumières rectangulaires qui vont servir donc de puits de lumière qui va arriver donc principalement en haut donc à droite ici qui donne l'impression donc d'un puits de lumière dans la caverne dans laquelle se trouvent les ruines de ce château-là. Et donc on va pouvoir bien entendu donc venir augmenter donc ces valeurs pour voir ce que ça donne au niveau des formes. Bien entendu, c'est pas les valeurs qu'on retiendra ensuite. Et donc on va pouvoir travailler donc comme ça sur ces éléments ici. Donc ok. Et qui vont laisser apparaître le haut aussi de la caverne rocheuse ici au-dessus. Et puis on travaillera ensuite donc sur des lumières donc ponctuelles. On peut travailler donc sur une lumière donc directionnelle qui va éclairer donc rééclairer l'ensemble, mais c'est des lumières dans notre cas de figure qui sont trop marquées, qui servent plutôt donc des lumières directionnelles, des lumières donc de type solaire que l'on va plutôt retrouver en extérieur. Ici, on utilisera plutôt des lumières de type rectangulaire ou des lumières de type ponctuelle qui vont nous permettre donc de faire un clair-obscur et d'éclairer véritablement donc avec des pinceaux lumineux les zones qui nous intéressent. Voilà, ici j'ai rajouté quelques point lights ici qu'on peut éventuellement transformer donc aussi en lumière rectangulaire et qui vont nous permettre donc de venir créer donc des zones d'éclairage. Donc ici l'idée c'est de venir créer, on va le voir dans la composition finale, un chemin lumineux qui va nous permettre donc de venir focaliser le regard donc sur l'arche d'entrée, telle manière que le joueur qui arrive sur le parvis devant cet environnement 3D voit un tracé lumineux qui le pousse donc à focaliser son regard sur l'arche d'entrée et y aller éventuellement pour se déplacer si cela est possible. Donc on centrera donc notre composition ici par rapport à l'arche que l'on positionnera donc par exemple au tiers supérieur droit de telle manière d'attirer encore plus le regard de par la construction donc de ce tiers en haut droit et de par la réalisation, la mise en œuvre donc d'un chemin lumineux comme on va pouvoir le voir donc dans la réalisation finale. Donc le blockout sert à mettre les formes en place hein, avec
le lithe ici, donc les différentes formes. Avec le mode lithe, on va pouvoir donc effectivement faire un pré-light ici. On pourra très bien rajouter donc des lights bleutés par exemple pour venir rehausser donc ici le niveau bas aussi si on veut donc voilà, ok. Radius augmenté, voilà. Voilà, si on veut rééquilibrer, donc voir apparaître un peu, donc un peu mieux la partie basse ici, par exemple. Et donc on pourra donc faire ce pré-travail ici, qui nous donnera des indications que l'on pourra reprendre ensuite donc sur la composition finale. Donc ensuite, au fur et à mesure, on va remplacer donc les éléments primitifs du blockout par des éléments modélisés que l'on va donc déposer soit en réalisant du construction script. Je vous renvoie donc, on a fait un tuto du jeudi là-dessus, hein, sur les constructions script par exemple, pour venir répéter des motifs. On va aussi donc pouvoir donc déposer ça, le déposer donc avec du paint, avec donc le système de paint de Unreal, hein, de Foliage notamment, qui nous permettra donc de venir déposer, comme je l'ai fait ici, des branches, et donc faire des essais de positionnement de forme dans un premier temps pour voir ce que ça donne. Et remplaçant au fur et à mesure donc les différents éléments. Ici, on a commencé à travailler sur l'avant-plan. On va continuer maintenant avec l'arrière-plan. Donc, au fur et à mesure, on va commencer à remplacer donc les différents éléments du blockout par des éléments donc finalisés sur lesquels on pourra revenir tant en termes de définition donc du modèle que du texturing. On s'appuie sur des logiciels comme Substance Painter par exemple pour éventuellement faire du pre-light sur les textures, et on va mettre tout cela en place ici et continuer à se donner des idées donc en termes de light au fur et à mesure. Donc on a le lit ici, le unlit qui nous permet donc de voir l'agencement donc des différents éléments que l'on va donc réaliser par rapport aux différents points de vue, bien entendu, que pourra avoir le joueur ou le spectateur donc de cet environnement 3D, et de faire comme un décor de théâtre. Ça veut dire que là, on n'a pas besoin de mettre d'éléments qui ne seront pas visibles, qui seront cachés parce que dans le noir, ou pas visibles parce que cachés par d'autres éléments, et eh bien on ne viendra pas donc les rajouter. On a le Unlit, on a aussi donc le Lighting Only, qui est l'inverse du Unlit un peu, enfin, ou le complément, qui permet de montrer juste les différentes illuminations, donc ici que l'on va pouvoir peaufiner dans les dernières phases. Et donc au final ici, on va travailler donc sur les différents éléments qu'on veut faire apparaître, avec donc différentes lumières dont on verra donc leurs caractéristiques. Ça peut être en statique, en stationnarie, selon ce que l'on veut faire, et on retravaillera dessus et on obtiendra des éclairages effectivement donc différents. Ici, on a donc la mise en lumière du contre-jour derrière les arches et les structures détruites du château ici qui apparaissent. Et ce que je disais dans le début de ce tutoriel, c'est la réalisation donc est légèrement exagérée sur le passage donc à l'entrée de l'arche, donc d'une ligne lumineuse qui va permettre donc de porter le regard jusqu'à l'entrée donc des bâtiments détruits. Et donc ici, si on porte ici un peu le regard sur l'analyse donc de cette composition, donc on voit qu'on peut avoir donc ici bordé plutôt par quelque chose de relativement sombre ici, juste avec un petit trait lumineux, et relativement sombre ici pour renvoyer le regard vers le centre de l'image. On a donc un parcours donc lumineux qui nous amène donc jusqu'à l'entrée de l'arche ici, qui passe par le parvis et le pont sur
la crevasse bleutée ici. On a bien une opposition, donc une séparation plutôt entre les plans, le premier plan du parvis et le deuxième plan donc des arches avec le bâtiment détruit qui est séparé donc par une coloration bleutée ici, ce qui nous permet de redonner de la profondeur donc à l'image. Et puis de manière assez simple, on a une compo donc quasi au tiers. Donc en exagérant juste un peu, mais pas beaucoup, de l'arche donc qui va se positionner ici. Donc on voit que en disposant donc les éléments, les formes, en respectant des règles de base donc de la composition d'image, on peut avoir un environnement donc 3D qui va être assez marquant et on va pouvoir par rapport à ce dispositif donc mis en place venir ensuite dans un deuxième temps maintenant rajouter des éléments de forme secondaire. Broussailles qui traînent au sol, débris de pierre que l'on va pouvoir ajouter pour peaufiner donc notre environnement 3D pour lui donner un peu plus de matière après avoir mis donc en place et les formes principales et la lumière aussi.